Et coucou tout le monde. On se retrouve en ce dimanche 7 novembre. Je prends un café, ne vous inquiétez pas. Et pour faire une carte. Oui, je suis très mauvaise en scrapbooking. Donc voici ma carte. C'est une feuille que j'avais, que j'ai coupée en deux. Ce qui fait... Quelle mesure? 12,5. Sur 17,5. Voilà. Donc, je vais me servir de stickers que j'ai eu en partenariat. Et je vais essayer de trouver des jolis chats. Parce que la personne à qui je vais offrir cette toile, aime beaucoup les chats. Donc, je suis tranquille avec un peu. Je vais prendre ce paquet-là. On va regarder quel sticker ça va prendre. Je vous préviens, je suis nulle en scrapbooking. Je crois que j'en ai vu qui m'ont tapé dans l'œil. Oui, vous allez me dire, Sandrine, c'est pas mieux. Alors, je vais déjà prendre. Oui, ça y est. Si j'arrive à les défaire, ce serait simple, bien. Voilà. Donc, j'ai déjà pris plusieurs petits chats que je vais venir placer. Là. Oui, ça c'est joli. Ensuite. On va mettre ça en bas. Voilà. Et au milieu, c'est mettre une jolie tête de chat. Une jolie tête un peu drôle. Donc, je prends celui-là. Ça se décolle comme rien. Et... Je prends un feutre argenté. Voilà. Et je viens écrire. Oups. Voilà. Donc là nous avons de quoi écrire. Est-ce que j'ai un papier blanc? Je ne l'en ai pas là. Enfin, j'ai du côté de mon imprimante à chercher. Je reviens. Et me voilà. J'ai juste été chercher du papier blanc. Donc, je vais couper. Et maintenant, j'ai oublié mon crayon de papier.
Ça tombe par là. Deux secondes. Voilà. Donc, je vais couper. À peu près là. À peu près là. Et là. Voilà. Je sais pas ce que je fais. Donc, après, je trace. Avec une règle, bien sûr. Et après, il y a deux écoles. Ou vous coupez avec un ciseau. Ou la papa, je les lave. Ou vous coupez avec un cutter. Attention, les cutters peuvent être dangereux. Rappel si vous le faites avec des enfants. Donc, faut que je coupe encore un petit peu là. Hop. Ouais. Hop là. Donc, j'ai coupé mon papier. Maintenant, là, tout bêtement, je prends de la colle écolier. Je mets et je colle. Hop. Donc je mets mon papier à peu près où je veux. Voilà. Et voilà, donc j'appuie bien, je chasse l'air, et voilà. Donc on en est là. Ensuite, je vais prendre du masking tape. Donc on va choisir le cœur, un qui soit un peu de Noël, ou un peu joli, un peu épais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une pochette de sang. Parce qu'une tête, donc c'était gâteau, c'était gâteau, c'était cela. Je l'aime bien celui-là. Pas sorti. Celui-là. Celui-là me plaît bien. Je vais prendre celui-là. Qui me rappelle bien Noël. Sacré à la tronçonneuse. Voilà.
je mets ça en haut. Je mets ça là. Tout autour de mon petit blanc, ça habille la carte, je trouve. Voilà, donc ensuite on va remettre un chat de ce côté-là. Là, voilà. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, mais voilà, moi je trouve que ça fait joli et c'est mon choix. Ensuite, j'ai un stylo pour les lotos. En fait, déjà, je l'amorce. Et je viens mettre, il va pas le faire correctement, des ronds dorés. Il n'y avait pas joli, vous voyez, ça m'a fait deux ronds, mais je suis pas contente du résultat, ça fait pas joli. Et ben je vais y masquer. Alors je vais prendre mon feutre doré. Où sont mes feutres? Je vais prendre mon feutre doré et je vais repasser dessus. Voilà. Je vais faire un petit truc pour faire comme une boule. Voilà. Oh. Deuxième boule. Je sais, c'est très mal dessiné. Bla 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 bla. C'est ma carte. Je fais ce que je veux. Et le principal, c'est que j'y ai mis mon cœur. Voilà. Je n'ai fait une autre boule. Et je vais refaire une ici.
Et voilà. Donc, voilà où on en est rendu. Donc, je trouve qu'il manque un petit truc là. Avons-nous encore un petit chaton? Voilà, nous allons remettre un petit chat. Et voilà. Ensuite, je tourne ma carte. Je vais mettre ça autour de ma carte. Est-ce que j'ai un noir ? Non, j'ai un gris. Et je vais écrire là. Yeah. Plein d'amour. Fragile, parce que l'amour et l'amitié sont fragiles. Miaou, et on va mettre Noël. Bien sûr, il y a des scrapbookers ou d'autres personnes en feront des plus belles. Et voilà, c'est moi, elles sont faites à ma façon. Avec mon cœur. Comme quoi, avec trois fois rien, vous faites une superbe carte de Noël. Et là, on n'a plus qu'à écrire le mot. Merci beaucoup. Ciao, ciao.